On a fait un très grand geste de lucidité et de respect envers les gens qui ne sont pas aussi indépendantistes que nous ou ceux qui ne le sont pas. En disant, ben nous, là, les péquistes, on est prêts, on est tellement pressés de faire l'indépendance qu'on veut la faire demain matin. Mais on constate qu'il n'y a pas suffisamment de Québécois qui sont d'accord avec nous. Et ils pensent aussi qu'il faut d'abord renforcer l'État québécois actuel, renforcer sa santé, renforcer son éducation, sa langue, son système de justice. Et donc, on vous le dit, là, pendant le premier mandat, il n'y en aura pas de référendum sur l'indépendance. Ça fait que si vous aimez toutes nos autres idées, sauf celle-là, ben votez pour nous, parce qu'on ne fera pas de référendum sur l'indépendance dans le premier mandat. En 2022, là, on vous avertit tout de suite, l'élection va porter sur l'indépendance. Ça fait qu'on espère vous garder avec nous pour 2022, mais vous pourrez débarquer à ce moment-là si vous ne voulez pas faire tout le chemin. Et c'est comme ça qu'on rassemble encore plus.